Bonjour chers élèves, bonjour tout le monde. On va travailler aujourd'hui l'expression orale après l'étude du poster de la constellation des gazelles numéro 3, unité 14. Maintenant, on va passer à la lecture du texte. Et comme ça, on va travailler la compréhension ensemble. Je demande à mes élèves de bien écouter le texte deux fois ou bien trois fois pour mieux comprendre l'histoire de la constellation des gazelles de numéro 3. Je vais vous faire la lecture magistrale. La constellation des gazelles 3. Le lendemain, Hitler est réveillé par des cris et des lamentations. Son père vient de découvrir que les autres sont presque vite, toutes vite, mais il ne peut pas revenir en arrière s'il ne veut pas perdre sa marchandise. Et son argent, il doit traverser le désert, la caravane se remet en route. Bientôt, il n'y a plus une goutte d'eau dans la dernière outre. outre. Les hommes et les bêtes sont épuisés par la soif. et il décide alors d'utiliser sa bague d'émeraude. Le soir, dès que les, les autres sont endormis, elle pose la pierre précieuse sous un rayon de lune. Aussitôt, une lumière verte jaillit et éclaire un étrange cercle. Au premier rang, de des lucioles Brillante, derrière elle, des oiseaux bariolés, derrière encore des petites gerboises, des fenêtres rusées, des scorpions et une rangée de vipères à cornes. Et au centre de cet étrange cercle, un nuage, un nuage de fumée bleue éclaire, éclairant les djinns du désert qui dansent en se tenant par la main. Et il fait un pas en avant, les jeans l'entourent en grimaçant alors la gazelle apparaît. n'aie pas peur. Itri vient au centre du cercle. Tu dois, tu vois ce pombillon vers comme mes cornes. Touche-le et tire-le vers toi. Itri obéit, il touche la lumière et sent sous ses doigts un anneau, un anneau de pierre. Il soulève une lourde dalle et il entend alors le chant d'une cascade. Après la lecture de la maîtresse, on va faire la compréhension du texte. Pour cela, on va diviser le texte par trois parties. De l'endemain en route, bientôt jusqu'à de lune, aussitôt jusqu'à la main et de Hitler jusqu'à la fin. La première partie. Le lendemain, Hitler est réveillé par décret, des, par décret et des lamentations. sans père vient de découvrir les autres, les autres sont presque toutes vides, mais il ne peut pas revenir en arrière s'il ne veut pas perdre sa marchandise et son argent. Il doit traverser le désert. La caravane se remet en route. Alors, que se passe que se passe que c'est se, que s'est-il passé pendant la nuit? On dit que la gazelle a fait disparaître l'eau des autres des autres, et comme ça, la gazelle avait dit, vous n'avez vous n'aurez presque plus d'eau. Il reste encore un peu d'eau, un peu d'eau, mais très peu. Que se passe-t-il au réveil Les hommes réveillent, les hommes crient. La gazelle avait dit à Itry que ses compagnons allaient grimacer et se lamentaient. A votre avis, que décide Itri? Alors, dans le texte, on ne, le texte ne, parle, on ne parle pas... De ce que fait Idri, alors on dit qu'il va suivre la con les conseils de la maîtresse. Il ne dit rien. Et le père d'Idri décide de continuer le voyage parce qu'il qu ne veut pas perdre sa marchandise. Il pense peut-être qu'il trouvera une oasis dans le désert. La deuxième partie. Bientôt il n'y a plus une goutte d'eau dans la dernière route. Les hommes et les bêtes sont épuisés par la soif. Etri décide alors d'utiliser sa bague d'Emorode le soir dès que les autres sont endormis. Il pose la prière la pierre précieuse sous un rayon de lune. Pourquoi Etri n'a-t-il pas utilisé sa bague tout de suite Parce qu'il a obéi à la gazelle. Il a obéi à la gazelle. Il a attendu qu'il n'ait plus d'eau du tout, que l'eau soit épuisée. Elle sait que la gazelle veut punir les chasseurs. Qu'ils doivent avoir peur de mourir. Alors, pourquoi Italy attend-il, attend que les autres soient endormis? C'est un secret parce que c'est un secret entre la gazelle et lui. Les autres ne doivent pas savoir ce qui se passe. Si Italy leur montre sa bague, ils voudront peut-être la prendre. Alors, on va anticiper les deux parties. On va dire que... On peut dire que le lendemain matin, presque toute l'eau a disparu, mais le père d'Itri décide de continuer le voyage avec l'eau. Le, le voyage avec l'eau, comme ça et qu'il leur reste, comme ça au bout de quelque temps, les hommes et les chameaux sont épuisés par la soif. Et il attend que tout le monde soit endormi et il sort avec ce bague au clair de lune.